Huguette, scène de ménage, Marion Gamme dévoile à son insu son salaire colossal. Est-ce que l'actrice n'aura pas dû tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de révéler sa rémunération à quatre chiffres? En effet, cela reste un sujet tabou qui fait des polémiques et des envieux. Objeco vous raconte tout de cette interview avec Jordan Deluxe. Comme vous le savez, Marion Gamme joue le personnage d'Huguette sur M6 dans Scène de ménage. Depuis ses débuts dans la série en 2009, elle cartonne. On peut dire que dans son cas, la célébrité est arrivée sur le tard, mais elle en est ravie. Pour rappel, le feuilleton passe tous les jours, du lundi au vendredi, avant le film de la soirée. Marion Gamme, une passionnée qui garde la tête sur les épaules. Les Français sont assez friands de séries télévisées. En effet, Scène de ménage avec Marion Gamme et les autres comédiens, fonctionne très bien. D'ailleurs, elle a marché vraiment dès les premières diffusions. De plus, elle perdure dans le temps en gardant ses habitués et ses fidèles fans. Pour preuve, la part d'audience est d'environ 10% tous les jours à ce créneau horaire. D'autres séries ont également marché. En effet, on peut citer Un gars et une fille, Kaamelott ou encore Caméra Café. Puisque Scène de ménage a un grand succès, la production a décidé de rajouter des couples d'amoureux au fur et à mesure des années. En effet, au début, il y avait seulement 3 couples. Aujourd'hui, ils sont 6 duos à nous faire rire au quotidien. En tout cas, Marion Gamme et Raymond sont là depuis le début et ils sont les chouchous du public. Ce sont en effet les seuls retraités du programme. Ils passent leur journée à se quereller ou à embêter leurs voisins. Il faut bien qu'ils s'occupent. Même s'ils sont comme chien et chat, ils s'aiment comme au premier jour. Le couple Huguette et Raymond toujours autant apprécié du public. Mais, la comédienne a fait une boulette récemment. Elle vient de dévoiler son salaire, ce qui risque de faire des envieux et des jaloux. Elle gagnerait le salaire de 8 000 € mensuellement pour interpréter le personnage d'Huguette. Mais, en plus de cette révélation, elle a aussi déclaré qu'elle ne travaillait que 2 à 3 jours par mois. À savoir aussi que tous les acteurs ne doivent pas gagner la même chose, surtout les derniers arrivés. Si vous voulez en apprendre davantage sur Marion Gamme, visionnez en replay son interview sur le plateau de Jordan Deluxe sur Télé Starplay, diffusée le 15 septembre. En plus d'avoir dévoilé sa rémunération, la comédienne de Scène de ménage lui a parlé de son futur dans le feuilleton et sur l'intégration des nouveaux binômes d'amoureux. Les petites taquineries du couple de retraités. On a appris d'autres révélations par Mathieu Laurentin, le producteur de la série. En effet, il taquine Marion Gamme et s'amuse à dire qu'elle s'est beaucoup améliorée avec l'expérience et les années. Il confirme que le tricot n'est toujours pas sa passion. Marion Gamme n'aime pas du tout cette activité, alors que c'est le passe-temps favori des retraités. Même Gérard Hernandez balance sur sa collègue. Par exemple, il dénonce sa maladresse et fait beaucoup de plaisanteries à ce sujet. On devrait faire appel à une cascadeuse dès que Marion ouvre une porte ou serre un verre d'eau, dit-il. L'entente est parfaite. L'ambiance est détendue et drôle sur le plateau de tournage. Pendant l'interview, Marion Gamme a parlé de son histoire d'amour avec Jacques Martin. On l'interroge souvent sur ce sujet, car elle a vécu des années très conflictuelles avec lui. Marion Gamme fait preuve d'une grande sagesse. Elle a très bien accueilli les nouveaux couples de la série, même si elle se permet une petite remarque, on nous voit moins. Ce nouveau, NDLR couple ne me fait pas un trou dans l'abdomen.
ces gens-là vont faire leur chemin. Marion Gamme ajoute, ce ne sont pas des C*NS après tout. Ils ne vont pas arrêter Raymond et Huguette, ils ne sont pas masochistes. La comédienne fait preuve de beaucoup de recul sur la série et sur son métier de comédienne en général. En effet, sa popularité est survenue tardivement et elle sait très bien que tout peut s'arrêter très vite. En effet, la vie est changeante et rien n'est éternel. Vous savez, quand je tourne, je n'y mets pas mon âme. Pourquoi il y aurait une affectation pour scène de ménage ? Se questionne la comédienne de 83 ans. Il n'y a aucune raison de le faire. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a, dit-elle. Pour elle, il faut remettre les choses dans leur contexte, à leur place et dans un juste milieu, ni plus, ni moins. Une belle philosophie de vie.